Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo dédiée à la sécurité de vos environnements domotiques. Je suis Justine Cabanis, fondatrice du cabinet La Rome Numérique, spécialisée en protection des données personnelles. Et aujourd'hui, j'accueille Alban. Bonjour Justine et merci à La Rome Numérique pour l'accueil. Je suis Alban Rochini, je suis associé chez BCC, un cabinet de conseil. Et auparavant, j'ai fait 2 ans en tant qu'associé dans un bureau d'études spécialisé dans l'intégration d'objets connectés et la supervision des bâtiments. Donc, tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que la domotique ? Alors, la domotique, étymologiquement, la maison et la technique, c'est l'ensemble des moyens qui sont donnés pour pouvoir contrôler et superviser l'ensemble des équipements électriques d'une maison. Tu peux nous donner quelques exemples ? Alors, les exemples qui paraissent évidents de prime abord, c'est l'éclairage, pouvoir contrôler à distance ou au sein de sa maison l'éclairage d'une pièce ou de toutes les pièces. Après, ça peut être aussi le chauffage et évidemment la sécurité avec les caméras et la vidéosurveillance. D'un point de vue technologique, quelles sont les technologies qui sont utilisées en fait pour mettre en œuvre ces outils ? On peut regrouper ça en 2 parties, vulgairement. La première partie filaire, où là on va utiliser des protocoles de type KNX, BACnet, etc. selon les besoins de l'utilisateur ou de l'entreprise. Donc là c'est du filaire, ça veut dire que lors d'une rénovation, d'une construction d'un logement, on va venir câbler de telle manière à ce que l'on puisse et que de base, ça intègre un contrôle des équipements. Ou sinon, juste pour un logement qui existerait déjà, on va venir intégrer ce qu'on appelle du réseau sans fil. Donc ça passe soit par du Wi-Fi, soit du Z-Wave, du Zigbee et aussi plein d'autres protocoles. Quels sont les enjeux du monde de la domotique ? J'aime bien regrouper les enjeux en 3 parties. La première partie, et on va prendre l'exemple d'un éclairage, ça marche assez bien, c'est de dire je remonte l'information de mon éclairage. Donc ça veut dire que sur mon application, sur une page web, je vais connaître l'état de mon éclairage. Donc là, on me redonne de l'information. Donc, je supervise. La deuxième partie, c'est je contrôle. Donc, ça veut dire qu'à distance, je vais pouvoir allumer ou éteindre la lumière en question. Donc là, ça veut dire que j'envoie de l'information à l'équipement qui prend en compte cette information et change d'état. La troisième partie, c'est les équipements entre eux. Et donc là, ce sont des scénarios, c'est de l'automatisation, c'est j'automatise. C'est un équipement qui va venir changer d'état en fonction d'un autre équipement. Tout bêtement, un store qui se lève le matin avec un luminaire qui passe de on à off et avec une lumière qui s'éteint. Indépendamment de moi parce que j'ai programmé préalablement les équipements. Mais justement, pour toi Justine, qu'est-ce qui t'inquiète et quels sont les enjeux en protection des données ? Alors, il y a en effet pas mal d'enjeux en termes de protection des données personnelles parce qu'il y a traitement de données à caractère personnel. Donc forcément, il faut le faire de manière un peu raisonnée et raisonnable et sécurisée. Il y a un sujet qui me vient tout de suite en tête, c'est le fait que les données personnelles qui vont être traitées dans le cadre de ces outils sont très personnelles parce qu'ils peuvent donner des informations sur tes habitudes de vie, à quelle heure est-ce que tu as l'habitude de rentrer chez toi, à quelle heure tu as l'habitude de ressortir, quand est-ce que la maison est vide, quand est-ce que... je vais me coucher, etc. Et donc, c'est de la donnée qui peut être très, très personnelle. Et plus on multiplie les usages, plus on va avoir une masse de données qui vont potentiellement pouvoir être croisées, qui vont donner des informations sur, sur vraiment tes habitudes de vie. Ce qui demande donc, du coup, forcément, de sécuriser l'ensemble de ces usages pour s'assurer qu'il n'y ait pas une personne malveillante qui pourrait avoir accès à ces informations et donc les exploiter à mauvais escient. Et justement, alors en tant qu'entreprise ou en tant qu'utilisateur, quels sont les bons réflexes à adopter ? Alors en tant qu'utilisateur, il y a un premier réflexe, c'est déjà de se rendre compte qu'il y a de la donnée personnelle qui va être traitée dans ce cadre-là. Il va aussi falloir en fait regarder un petit peu les politiques de confidentialité ou les contrats qui vont normalement expliciter où est-ce que la donnée va être traitée, est-ce qu'il y a du partage de données avec des tiers. Il ne faut pas donner un blanc-seing à un prestataire parce que c'est un super outil. Il faut aussi s'assurer que ces données personnelles ne vont pas être partagées avec des tiers autres qu'on ne connaîtrait même pas. Après, il y a aussi solutions techniques un peu simples, comme sécuriser son Wi-Fi. Enfin, en tout cas, si on est sur une technologie sans fil, avoir un réseau Wi-Fi sécurisé pour limiter les risques d'intrusion sur ces bases de données. Utiliser des mots de passe forts et différents des autres mots de passe qu'on utilise au quotidien. Avec tout ça, déjà, on va limiter le risque en fait, d'intrusion d'une tierce personne sur ces bases de données. En tant qu'éditeur de logiciels domotiques, enfin d'outils domotiques, c'est un peu différent. En tout cas, il faut bien respecter ce qu'on appelle le privacy by design, qui va être la prise en compte de la protection des données dès la conception des outils,
en renforçant le niveau de cybersécurité et d'information, notamment des usagers. En tout cas, si vous avez d'autres questions et vous souhaitez avoir d'autres informations sur la sécurité des outils domotiques, n'hésitez pas à consulter le livre blanc de la CNIL qui est disponible sur son site web ou à contacter la robe numérique. Merci beaucoup, Justine. Merci, Alban.